viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et mes mains pour l'offrande du soir. Gloire soit au Père. Savoureux, qu'il te donne à la mesure
Seigneur accomplira toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie. Du sanctuaire des cieux, il lui répond par les exploits de sa main victorieuse. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. Et il plie et s'effondre, nous, debout, nous résistons. Seigneur, donne au roi la victoire, réponds-nous au jour de notre appel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Siècles des siècles. Amen.
achetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Gloire à l'agneau immolé. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Gloire à l'agneau immolé. De l'épître de Saint Jacques, apôtre. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Celui qui n'agit pas, sa foi est belle et bien morte. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Père. Et Spiritus
Seigneur Jésus, tu nous as demandé de veiller pour ne pas entrer en tentation. Nous appelons vers toi. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu as promis, quand deux ou trois prieraient en ton nom, d'être au milieu d'eux. Enseigne-nous la prière véritable. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Purifie ton Église qui te cherche en ce temps de pénitence, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit. Toi qui as tant aimé les hommes, saisis-nous de ta charité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu as souffert la croix pour le salut du monde. Fais-nous lutter pour ta justice. Reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent et donne-nous d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Notre Père, regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, vous garde en sa fidélité pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.